Le lancement de la télémédecine chinoise au Bénin a été réalisé lors de l'opération chirurgicale d'une patiente souffrant de goitre depuis une quinzaine d'années. À travers une vidéoconférence, une équipe composée de 4 médecins chinois et de 2 béninois a procédé à cette intervention chirurgicale sous les orientations de 8 spécialistes chinois depuis la Chine. Grâce à cette synergie d'action, l'opération a été un succès. La télémédecine a joué un rôle très important dans cette opération, parce qu'avant l'intervention, on avait déjà fait beaucoup d'examens, mais qui n'étaient pas complets. Donc on ne pouvait pas imaginer les difficultés qu'on allait rencontrer, ce qui a fait qu'au cours de cette intervention, dès que nous rencontrions des difficultés, nous en discutions avec des experts chinois. Tout s'est bien passé finalement, même si le processus a été difficile. Cette intervention a été un plein succès grâce à la collaboration des médecins chinois. C'est pourquoi cette intervention, nous la considérons comme un événement très important. Ce projet vise à mettre en place un centre de télémédecine Chine-Bénin. C'est aussi pour favoriser l'application et le développement de la télémédecine au Bénin, car ce centre sera une plateforme. Aujourd'hui, on peut faire des orientations et interventions chirurgicales par télémédecine. En créant donc le centre de télémédecine Chine-Bénin, il sera possible de faire des opérations chirurgicales, mais aussi des diagnostics de radiographie, d'échographie, de pathologie et même des formations à distance. Le lancement de la télémédecine chinoise au Bénin s'est effectué à l'hôpital départemental de Lokossa, une ville située à environ 115 km de Cotonou, la capitale. Ce lancement a vu la participation des autorités béninoises et chinoises qui ont témoigné à l'occasion leur volonté d'approfondir la coopération entre les deux pays. Il faut féliciter la mission médicale chinoise ici à Lokossa de prendre l'initiative de lancer cette initiative de faire une télémédecine. J'espère qu'à travers cette expérience, les deux gouvernements vont étudier comment on se collabore dans ce domaine pour la télémédecine, comment faire avancer cette coopération avec l'envoi des missions médicales en Afrique. Cette initiative qui vient de la Chine est à point nommé pour le Bénin parce que, encore une fois, ça vient donc nous donner une bouffée donc de respiration donc dans le cadre de la prise en charge adéquate de nos malades. Et nous allons voir quel type d'accord nous pourrons mettre en place entre la Chine et le Bénin. En termes de matériel, en termes donc de formation, en termes de plateau technique, en termes de langue aussi. L'initiative de la télémédecine chinoise est un nouveau modèle de coopération dans le domaine médical entre la Chine et le Bénin. Selon les autorités locales, cette initiative permettra de combler les déficits de personnel et d'expertise, mais limitera surtout les évacuations d'urgence qui nécessitent de gros moyens financiers. Christina Niaouré, CGTN français.